Et salut à toutes les belles, les marcelines de France, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien, et enfin ça y est je reviens, hein, comme je vous l'avais dit déjà, je reviens, voilà. Et comme vous avez pu le voir, je vous fais une vidéo sur comment apprendre à faire un cocktail sans alcool, voilà. Et le cocktail en question, c'est un cocktail que j'ai inventé moi-même, voilà. Alors je tiens à vous dire, tout le monde peut le faire, voilà. C'est sans alcool, tout le monde peut le faire. Voilà, même les enfants avec leurs parents, bien sûr, avec l'accord de leurs parents. Le cocktail en question s'appelle le Dingo Dreams. Alors, j'ai dit Dreams avec un Z et un N. Voilà, c'est pas Dreams, ok? C'est le Dingo Dreams. Voilà. Eh ben, let's go pour que je vous apprenne à faire le cocktail. Allez, c'est parti. Générique. Let's go. Stop. Avant de continuer, je tiens à te signaler que tu peux mettre un petit pouce bleu vers le haut. Tu peux t'abonner. Tu peux mettre la cloche de notification pour rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, tu peux mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Merci et bonne vidéo. Tiens, tiens, des nouveaux visiteurs et visiteuses sur la chaîne? Alors, bienvenue à vous tous. D'accord, bon, il n'y a pas le feu, cool. Mais du calme, Adès, enfin, il n'y a pas le feu. Au moins, pas pour l'instant. Alors, n'hésitez pas à entrer dans mon univers, dans le monde fantastique, merveilleux et fabuleux de... Disney Music Odyssey vous présente... Bon, comment on fait le Dingo Dreams? Eh bien, c'est tout simple. Déjà, j'ai préparé. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé un verre avec de la menthe. Ce que vous faites, c'est simple. Vous prenez la menthe, vous mettez, on va dire, une bonne quantité de menthe. On va dire 2 cuillères à menthe. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, la menthe, elle est juste là, hein. Voilà, juste ici là. Voilà. Alors vous pouvez prendre de la menthe glacée, de la menthe, ce que vous voulez comme menthe, du moment que c'est de la menthe. Ensuite, c'est tout simple. Vous prenez la bière. Bon, voilà. Alors comme je vous l'ai dit, la bière, c'est de la bière sans alcool. Et quand je dis de la bière, c'est pas du turtle. Hein. Attention, ne prenez pas le turtle. Tout simplement. Ne prenez pas le turtle. Ce que vous allez faire, vous allez mettre d'abord, comme je l'ai dit, la menthe. Ensuite, vous mettez 2 voire 5 glaçons. Et ensuite, vous mettez votre bière. Alors, attention, hein, à pas que ça déborde. Prenez un verre assez grand. Voilà, vous y allez tout doucement. Voilà. Vous attendez un peu pour que comment ça agisse. Vous faites quelques... vous remuez un peu comme ça. Pour bien que la bière prenne le goût de la menthe. Vous... Vous le faites pendant à peu près, on va dire, une bonne minute. Il faut que ça a vraiment le goût de la menthe. La bière, il faut qu'elle soit mélangée à la menthe, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous déversez tout doucement la bière. Faut pas qu'il y ait de mousse. Alors je vais essayer pour pas qu'il y ait de la mousse. Mais c'est très compliqué. On va essayer de la mousse, voilà. Bon, c'est pas très grave. Vous faites la même manipulation. Comme je l'ai dit, il faut bien que la bière prenne le goût avec de la menthe.
Voilà. Vous reprenez votre bière et cette fois. Vous mettez le reste. Alors vous attendez que la mousse s'évapore un peu. Voilà, tout simplement. Hein. C'est simple, hein, c'est pas compliqué. Si vous reste de la bière, c'est simple. Vous la gardez. Et ensuite, vous attendez que la mousse diminue. Alors oui, ça fait une réaction chimique à l'origine avec la menthe plus la bière. Et je tiens à vous dire que c'est de la bière sans alcool, tout simplement. Ensuite, vous rajoutez encore une fois, j'ai bien dit, vous rajoutez encore une fois, alors j'espère que je ne vais pas faire renverser, juste un peu, hein, attention. De la menthe, voilà, et le tour est joué. Voilà, voici un Dingo Drinks, tout simplement. C'est très simple, vraiment très simple. Ça, c'est du cocktail. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto sur le Dingo Drinks. Alors c'est un cocktail que j'ai inventé, voilà, je tiens à redire qu'il est sans alcool. Voilà, tout simplement, voilà, c'est très facile à faire. Si ce genre de cocktail vous a plu, vous pouvez le faire notamment avec vos enfants, hein, ils ne risquent rien. Voilà, c'est de la bière sans alcool. Alors bien sûr, faut mieux qu'ils aient entre 11 et 12 ans pour... voilà. Mais sinon, ça ne risque rien. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est simple à faire. Si ce genre de vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'en ferai d'autres. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, moi sur ce, je termine ce petit cocktail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas et n'oubliez jamais que la magie Disney s'attend vous à tout jamais. Allez, ciao tout le monde. Salut, bisous et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut. Et Hakuna Matata. Salut.